Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve du coup pour le quatrième épisode de Je réalise mon projet, mon rêve. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, bah, je suis habillé pareil que l'épisode 3, c'est qu'on est toujours le 2 octobre. Et du coup je tourne ça d'affilée. Donc aujourd'hui, on va parler dans le domaine écran. Alors non, je vais pas les changer, je vous rassure, etc. Mais du coup, comme vous avez pu encore voir dans mes précédentes vidéos, au niveau du rendu, etc. Si vous avez pas vu, bah, je vous mets une petite photo du rendu. Vous avez pu voir comme quoi les écrans prennent assez de place avec leurs pieds. Donc je pense que je vais les enlever. Donc c'est pas que je ne pense pas, mais je vais le faire du coup si je fais cette vidéo, ce qui est normal. Donc mon but est de prendre un support d'écran double screen, donc avec des bras. Comme ça, je pense que je vais le mettre, le bras, la fixation, je vais le mettre au plus près du L du plateau du bureau. Et comme ça, il y aura un écran qui va être dessus, un peu la console, un peu en biais. Et le deuxième, bah, va être, en fait, ça va faire pour vous, ça va faire ça du coup. Et donc le deuxième écran ici et le premier écran où bah, je vais jouer avec la console. Et du coup, ils vont être comme ça. Donc actuellement je n'ai pas encore trouvé un bon support. Je suis toujours en train de chercher. Je veux pas mettre des milliers d'essences. De toute façon tous les liens, tous les produits que j'aurais acheté sont en description. Donc voilà. Donc petite chose à part, un petit bémol par rapport à mon projet et mon rêve. Je vous dis ça maintenant parce que je pense que ça va être mon dernier épisode avant que bah, j'ai les moyens et que voilà. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de job étudiant, donc je n'ai pas pu mettre de côté pour finir mon setup et réaliser le rêve du coup en question. Mais je vais quand même vous l'annoncer. Et du coup, bah, si j'arrive entre temps à trouver et que j'arrive à avoir suffisamment assez pour l'accomplir, et bah, il y aura un cinquième épisode. Donc ça, en soi, c'est pas trop dérangeant. Mais voilà, je préfère vous prévenir. Donc normalement, ça va être l'épisode final. Donc du coup, le rêve était que je voulais m'acheter une tour gamer et pas que, donc pour faire aussi de la bureautique. Alors vous n'allez pas m'insulter hein, je ne suis pas assez débile pour acheter un PC à plus de 2000 euros pour faire de la bureautique. Donc jeux vidéo, donc pour relancer ma chaîne secondaire en même temps, montage vidéo, donc ce qui m'aurait pu permettre de filmer tout le temps en 4K à 60 images secondes, même si principalement toute la France n'ont pas accès à la 4K à 60 images secondes, mais au moins voilà, ça aurait amélioré la qualité des vidéos. Donc ça m'aurait aidé bah, du coup à faire mes montages vidéo et les produire. Donc voilà. Et pour les jeux, c'était pas du petit jeu comme Fortnite ou ce genre de choses. C'était plus du Forza Horizon 4 en 4K 60 images secondes, en ultra bien sûr. Il y allait avoir du Rainbow Six, du coup j'allais faire du stream, donc du coup en jeu du GTA 5 peut-être pas, enfin je pouvais faire du RP, du Rocket League, enfin il y a plein de jeux qui m'intéressent vraiment sur PC. Et voilà. Donc voilà à quoi allait servir ce projet, enfin ce rêve. Donc je vais quand même vous mettre le lien du PC, de la configuration que je voulais m'acheter. Donc je ne sais toujours pas si cette vidéo, enfin les 4 vidéos vont sortir au mois de décembre ou je les sors en les montant là maintenant, etc.
Je ne sais pas encore. Voilà, je verrai bien et vous verrez bien en regardant du coup la fin de cette série. Je réalise plutôt mon projet que mon rêve. Mais voilà, au départ je ne savais pas, je n'ai pas été contacté, etc. Donc j'espère que d'ici janvier, j'aurai suffisamment assez. Parce que normalement je serai censé être rémunéré de mon stage en entreprise, pardon. Il y a Noël qui va passer, donc il va y avoir peut-être 2-3 petites ventes. Donc en espérant que ça puisse passer. Mais voilà, on va bien voir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous liker, à vous abonner. Ça me fera super, super plaisir. Surtout en activant la petite cloche. On ne pense pas forcément à l'activer, mais c'est super utile et pratique. Du coup, comme ça, vous serez prévenu des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était French City et tout. Tchuss! Et voilà, du coup, on se retrouve dans ma chambre. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai eu un peu la flemme de prendre une de mes GoPro pour filmer. Donc là, du coup, je filme avec mon OnePlus 7 Pro. Concernant du coup pour les pieds, alors j'ai pas eu le temps de filmer lors du déballage et du montage, mais du coup ils sont déjà installés. Je vais juste fermer la porte. Alors désolé pour le bazar qui est un peu derrière moi. Le pied est monté déjà. J'ai pas encore eu le temps de faire le cable management à fond pour que ce soit le maximum. Le plus propre possible. Le pied est déjà monté sur le bureau. Les écrans sont déjà fixés sur les supports des deux, enfin sur les deux supports du support. Je pense que je me répète un peu de trop cet épisode. Alors voilà ce que ça donne. J'essaye de pas vous montrer en haut. Voilà ce que ça donne, vite fait. Le pied est bien monté. Voilà, le cable management, pardon, est pas totalement fait. J'ai pas tout fini, etc. J'essaye de le faire au plus rapide et le mieux fait possible. Voilà ce que ça donne. Il faut savoir, les fonctions des bras, vous pouvez voilà, le prendre, il n'y a pas de souci. Alors une main c'est assez compliqué. Celui-là, voilà, on peut les faire pivoter à 45 de mémoire. Voilà, 45 degrés de chaque côté. On peut les incliner en avant ou en arrière. Ils sont un peu trop. Voilà, il est un peu trop incliné vers le bas. Donc vous pouvez l'incliner soit comme ça ou soit comme ça. Là, ce que j'ai voulu essayer de faire, c'est les rapprocher un maximum des deux. Ce que j'ai voulu faire, c'est dévisser un bras pour mettre cette partie orientable de l'écran, pour la mettre ici pour encore plus les rapprocher. Mais malheureusement, je n'arrive pas à dévisser celle-ci, les deux parties, parce que je pense qu'elles sont en fait soudées directement dessous. Même avec une visseuse-dévisseuse, je n'y arrive pas, et à force humaine, j'y arrive pas non plus. Donc voici ce que ça donne. De toute façon, je vous mettrai le lien du produit dans la description, comme d'habitude. Franchement, j'en suis plutôt satisfait. C'est pour normalement de 15 pouces à 32 pouces. Il existe aussi un autre modèle, le même, mais les bras vont être moins longs. Et c'est pour du 15 en 27 pouces maximum. Donc là, je suis sur un 27 pouces et là, je suis sur un 28. Mais je pense que j'aurais pu prendre les deux. Maintenant, je peux plus l'essayer. Mais du coup, je pense que j'aurais pu prendre 15-27
Et du coup, j'aurais pas eu de problème de, du coup, de séparation et on verrait pas le tuyau du bras du support. Donc, du coup, mon PC est relié en HDMI. Pardon. Il est relié en HDMI sur cet écran, donc écran externe. Donc, ça veut dire que, bah, du coup, voilà, mon curseur est là, je peux aller sur l'autre écran directement, il n'y a pas de souci. Donc du coup pour le montage c'est plutôt pratique, je mets l'écran de visionnage ici et après j'ai ma timeline etc. C'est plutôt bien. Le rendu couleur est vraiment mais topissime. Les couleurs sont très 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 belles. Donc du coup cet écran est fait bah, du coup pour la console. Donc entre-temps oui je l'ai changé mais c'est pas le sujet, ça c'est sur ma chaîne secondaire si vous voulez aller le voir. J'en ai fait un petit déballage même si maintenant tout le monde connaît bah, l'Xbox One X depuis ce temps. Et à part ça bah voilà c'est tout ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que cet épisode bah, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi je vous dis bah, du coup à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner en mettant la petite cloche si ce n'est déjà pas fait. Du coup comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos qui sortiront. Et du coup bah voilà, c'est un avantage comme un autre. Moi je vous dis à la prochaine. C'était FrenchCity2. Tchuss!